À tout à l'heure, tu es sage? Je t'aime. Et Daniel, elle va partir aussi? Non, elle reste avec toi. Oui, maman, je veux rester avec Daniel. Tu veux rester avec Daniel? Oui, toi tu peux rester là, tu joues, tu regardes la télé, tu te reposes, t'es malade. Pourquoi? Bah parce que t'es malade. Maman va à Junico. Ok? Ok. Parce que maman, elle a tout le temps des bobos au ventre. À toute, mon grand. Mon bébé. Ça y est, moi j'ai mon rendez-vous gynéco aujourd'hui, vous savez, parce que je souffre trop. Mon mari, lui, il est parti au sport. Liwen, c'est bon, elle est à la nurserie. Mon fils, du coup, est gardé à la maison parce qu'il est malade, il est là toute la semaine. Qu'est-ce que tu me regardes, toi? Mon grand. Je veux que tu sois sage, hein? Oui, toi aussi. Ne t'inquiète pas, je serai très sage. Et voilà quoi. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Oh, ce matin, je vous ai pas montré. À toute, maman. À toute, mon amour. Ça va mieux déjà. Ça va beaucoup mieux, toi. Je vous ai pas montré. Ce matin, j'ai commencé à ouvrir mon placard et j'ai commencé à trier ça. Mon cœur, il a failli se briser pour garder les compotes de bébé, toutes les tétines, toutes les bibes. Mon cœur, il a failli se briser. Genre, ça m'a. Je sais pas, ça y est, là, j'ai vraiment. C'est qui ton cœur? Mon cœur, il est dedans. Toi, t'en as un, toi aussi, ici. On a tous un petit cœur. Moi, j'ai un petit cœur, là. Moi aussi. Ça y est, j'ai plus de bébé, les gars. Je suis partie, je commence à avoir les larmes et tout qui montaient en sortant du placard en me disant, mais ça y est, quoi, en fait. Ça y est. Je sors complètement de là-dedans. Des couches, bientôt. Non, des couches, ouais, il manque plus que l'Iwen la nuit, la sieste. Mais je sors des couches, je sors des biberons, je sors de tout ça. Bisous, je t'aime. Bisous, je t'aime. Je t'aime tellement, mon Dieu, que je te bouffe. Allez, gynéco. Un endroit que j'adore. Bon, quand il fait moins chaud, c'est mieux parce que c'est en extérieur. C'est trop bien. City Walk, les amis. Voilà, il fait encore très chaud, c'est calme. Il passe de la télé au circuit, du circuit à la pâte à modeler. Ça va, mon grand? Oui. Tu t'amuses bien? Oui, je m'amuse trop bien. Tu t'ennuies pas? Non. Mon bébé. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo YouTube bien chic qu'on a fait où on vous emmène avec nous dans les coulisses. On est très fiers de notre marque. Pourquoi? Parce que c'est une marque responsable. On fabrique en Europe. On a un très large choix de bougies, diffuseurs et parfums d'intérieur pour tout le monde. Sucré, floral, vraiment des senteurs plus incroyables les unes que les autres. Toutes nos bougies sont en cire 100% végétale, vegan, voilà, à base de cire de soja, de coco, de beurre de mangue. On est très fiers de cette marque Bianucci. Donc vous avez les diffuseurs, les parfums, les sprays d'intérieur. Je vous laisse aller voir sur le site, je vous laisse mon code promo ici, vous pouvez profiter de moins 20%. Et bien entendu, il n'y a pas que ça, il y a les parfums et la gamme bébé que vous retrouvez. Mais ça, je vous laisse fouiller sur le site, je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur et peut-être le bonheur de vos familles pour les fêtes de fin d'année. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, il va arriver les fêtes de fin d'année. Et à chaque fois en période de fin d'année, et ben tout part très vite parce que c'est les fêtes et que tout va être très vite offert. Et du coup, on se retrouve beaucoup en rupture de stock de certaines senteurs, de certaines bougies ou articles ou parfums. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est prenez-vous-y à l'avance. Ne vous y prenez pas au dernier moment, sinon forcément, il n'y a plus. Et nous, le temps qu'on recommande quelque chose qui est en rupture, c'est forcément trop tard. Donc voilà, ne vous y prenez pas à la dernière seconde. Foncez dès maintenant s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment, pour être sûr de ne pas louper. D'ailleurs, en parlant de fête de fin d'année, est-ce qu'on peut parler de ma mère qui m'a envoyé un message la semaine dernière? Qu'est-ce que c'est qui vous ferait plaisir à toi et Thibault? Je lui dis, maman, on est au mois de septembre. Elle me dit, oh, mais tu me connais, hein, moi je m'y prends à l'avance, il n'y a pas de dernier moment. Il y a deux teams dans la vie. Il y a la team dernier moment et la team je m'y prends à l'avance, comme ça déjà le panier il fait moins mal pour les fêtes de fin d'année. Et puis en plus, voilà, on a plus le temps de réfléchir et il y a ceux qui sont à l'arrache à la dernière seconde, quoi. Vraiment, il y a deux teams, ça m'a fait beaucoup rire quand elle m'a envoyé ça. Et là, je me suis dit, waouh, on parle déjà de Noël, de décoration, de sapin, le temps passe tellement vite. J'ai trop hâte. Vous savez que j'adore cette période. C'est en plus avec des enfants, c'est trop bien. Bon, bref, je commence à m'emballer, partir n'importe où. Je vous mets le code promo, le lien du site et profitez. Profitez également du paiement en 3 fois sans frais sur notre site Bianucci. Voilà, profitez, foncez. Ça vous fait des plus petites mensualités.
Sur notre chaîne YouTube, vous retrouvez la vidéo La vérité sur Bianouchi. On vous dit tout et on vous emmène avec nous, voilà, dans nos laboratoires. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour qu'on puisse aller les lire. Et merci beaucoup à tous. Et vous avez celle de Gilor qui était sortie aussi il y a quelques semaines. Vous savez tout selon Marc maintenant. Bon, alors, petit update de la journée. Donc, on a la piscine qui est remplie. Il nous reste plus qu'à fixer les matelas, mais d'ici. Donc, pour dehors, on est plutôt OK. Il nous reste plus qu'une lumière à gérer de la pergola, mais franchement, on est content. Ensuite, en ce qui concerne mes rendez-vous ce matin gynécologiques, je vais devoir. J'espère qu'on va gagner le match cette fois-ci. Après 3 fois, ce serait bien qu'on en gagne au moins un pour nous redonner, un peu de baume au cœur. Voilà, la journée s'est très bien passée. Beaucoup meilleure vibes qu'avant-hier, la semaine dernière, etc. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il y a des moments avec et des moments sans. Là, on est avec. Voilà. J'ai aussi décidé aujourd'hui de partir en voyage. Alors, je vous explique. En fait, pour l'anniversaire de mon frère et de mes parents, ma mère est née, mon frère en avril, ma mère le 17 août et mon père le 19 juillet, donc c'était cet été, je ne savais plus. Enfin, si mon père, là, pour ses 70 ans, il va faire ses dents, voilà. Au début, il ne voulait pas, il n'en avait pas envie. Maintenant, il m'a dit, ok, c'est bon, je suis chaud, donc voilà, donc il va faire ses dents la prochaine fois qu'il vient à Dubaï, donc c'est trop cool. Mais en cadeau, je leur avais pris un voyage, parce que c'est vrai que moi, ma famille. Je leur ai déjà offert des ordinateurs, des téléphones, enfin plein de choses utiles pour la maison, etc. Mais à un moment donné, pour moi, voyager, c'est la plus belle chose qui existe. C'est vraiment les meilleurs souvenirs qu'on se crée. Du coup, je me suis dit, pour leur anniversaire, etc., je devais les envoyer dans un voyage tous les trois. Et en fait, ça fait quelques jours que je regardais le voyage, je ne savais pas trop la destination et tout. Je les ai déjà envoyés tellement d'endroits, mes parents, à chaque fois, je les envoie dans des croisières parce que. Quand ils sont seuls, sans moi, ils ne parlent pas du tout anglais. Donc du coup, c'est vrai que le plus facile, c'est les croisières ou les voyages organisés ou alors l'île Maurice, par exemple. Je les ai fait beaucoup voyager. Moi, avec eux, j'ai fait New York, j'ai fait le road trip aux États-Unis. Et là, je me suis dit, mais en fait, au lieu de leur chercher un voyage à eux, pourquoi moi, je ne partirais pas avec eux? Donc hier soir, je me suis décidée à partir en voyage là, dans quelques semaines avec ma famille. Donc je suis contente, voilà. Je me suis dit qu'il fallait créer des souvenirs, qu'il fallait profiter de la vie, profiter de ses proches. Et plutôt que de rester à la maison, d'emmener les enfants à l'école, faire la petite routine, il faut savoir aussi profiter de sa famille. Donc je vais laisser mon mari avec les enfants qui se débrouillent très bien en soi, et puis ça va, c'est juste pour aller à l'école. Et moi, je partirai une semaine avec ma famille. Je n'ai pas encore décidé de où, je vous le dirai. Je suis en train de voir avec l'agence de voyage, puisque j'ai fait que changer d'avis, je n'ai pas arrêté. Là, j'ai envie de faire un voyage que j'ai pas fait, que eux non plus n'ont pas fait, sachant que je les ai fait quand même pas mal voyager ces derniers temps, donc fallait innover. En plus, c'est au mois d'octobre, novembre, donc il faut vraiment qu'il fasse bon à ces périodes-là. J'ai pas envie d'aller en Sibérie, quoi. Donc voilà. Donc je vais partir et je vais faire un autre voyage avec ma famille. Et c'est tellement important de profiter de sa famille, de ses proches, vraiment. C'est important. Je vais être très honnête avec vous. Amélie Nettel, elle m'a brisé le cœur avec le décès de sa maman. Ça m'a brisé le cœur. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que la vie, ça va trop vite et qu'il faut profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Donc je peux le faire, je vais le faire et je suis contente. Voilà, mais je sais pas où je vais, mais j'y vais. Bon, j'ai dit, on est lundi, good vibes. On va pas s'énerver. Je viens de démonter le rétroviseur, voilà. Là, il est KO le rétro. Voilà. Chérie! Petit jeu. Touche. On va aller tester un nouveau resto sur Dubaï ce soir. Voilà, un peu de parfum l'intense. Et on va aller se manger un bon amoureux. Moi, on adore manger dehors, on adore.
Voilà, en ce moment, j'ai peur de cuisiner. Oui.